notre séquence décalage, Mia Fry nous parle de Staying Alive. Staying Alive, rester vivant. C'était l'objectif des concurrents de la pop star dont la chorégraphe Mia Fry était une des jurées, peut-être la plus féroce. La danse est une discipline exigeante et implacable. Pourtant, ils en rêvent tous dans Staying Alive, actuellement en vidéo chez Paramount Home Entertainment. La suite de La fièvre du samedi soir, toujours avec John Travolta, les chansons des Bee Gees, mais cette fois, le film est réalisé par Sylvester Stallone, qu'on aperçoit fugitivement. Le héros de Staying Alive, Tony Montero, veut conquérir Broadway, quitte à piétiner le monde. Dans Décalage, Mia Fry s'identifie à lui. Elle a vécu les mêmes espoirs et les mêmes terreurs. Est-ce qu'au bout de tout ça, comme Tony à la fin du film, elle a eu envie de descendre dans la rue seule, juste pour frimer? Je me suis sentie très proche, effectivement, de Travolta, parce que c'est pas pareil, j'ai quand même du caractère aussi. Pour devenir, accéder à être chorégraphe, j'ai dû, à un moment donné, avoir un ego. Il n'y a pas énormément de chorégraphes en jazz qui ont un nom. Vous sortez dans la rue et vous êtes populaire, où les gens vous situent. Ils savent que vous faites tel style de danse et que vous êtes Mia Fry. Voilà, je suis un danseur par nature. J'ai pris des cours quand même, 4 ans de cours, et aujourd'hui j'en donne. Bien sûr, entre les cours et après, je suis disponible pour les variétés télévisées. Non. Au revoir. Donc, je vais vous parler du film qui s'appelle Staying Alive, réalisé par Sylvester Stallone. C'est la suite de La fièvre du samedi soir, avec, dans le rôle de Tony Manero, John Travolta. Après, il est toujours le même mec, macho, frimeur de La fièvre du samedi soir. Hé, hey, Tony, tes amours, ça va toujours? Ouais, ça va. Tu sais pourquoi je bois autant? Parce que t'es une alcoolo? Non, c'est pour te voir de plus près. Son corps a fait une réelle évolution, mais par contre, son tempérament, sa personnalité, sa psychologie n'a pas changé. C'est à Broadway et on découvre donc Travolta qui essaye justement de décrocher une place. Ça suffit, merci. Laissez-nous des photos, un curriculum vitae, un numéro de téléphone. Notre réponse dans les 24 heures. Laura, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Tu serais pas riche par hasard? Je t'ai déjà dit que ça n'avait pas d'importance. C'est chi. Pourquoi? C'est un affreux secret? Ça ne sent que des meubles. Lorsqu'il vient au théâtre voir la dernière représentation de sa petite amie Jackie, il tombe en amour raide dingue, de la grâce, de l'énergie, du côté très sulfureux et sensuel, la danseuse principale de la revue qui s'appelle Laura. C'est la première fois qu'il se retrouve quelque part vulnérable. Laura, quelque part, c'est un petit peu le diable. Je te défends de me toucher, c'est fini. À qui crois-tu avoir affaire à une de ces bonniches qui bêlent d'amour quand tu passes? Tu n'as pas senti la différence. Nous nous sommes rencontrés, tu m'as plu, ça a marché. Et tu as pris ça pour quoi? Le grand amour? Tu crois que je me suis servi de toi? C'est toi qui t'es servi de moi. Tout le monde se sert de tout le monde. Innocent. C'est le diable et en même temps, c'est son miroir. On le voit, mais complètement. Il se voit lui-même en elle. N'oublions pas que le ballet s'appelle la ruelle de Satan. C'est un voyage au bout de l'enfer qui se termine par une montée au ciel. Vous pensez peut-être que c'est simple, mais si vous voulez que ça marche, il faudra vous défoncer jusqu'au sang. T'es là pour donner du spectacle, t'es là pour vivre ta passion. Ça doit être un plaisir, ça doit être jouissif tout ça. C'est vrai que je me suis sentie très très proche du chorégraphe. Vous êtes les traducteurs du langage corporel. C'est ça la danse, le langage du corps. Ne me faites pas perdre mon temps en produisant mécaniquement les expressions d'émotion. Vous devez éprouver cette émotion, la sentir de l'intérieur. Et là, on assiste à une scène magistrale. Le vécu est transposé, c'est-à-dire toute son histoire du début du film jusqu'à là est transposée sur scène. Il y a une vraie dualité entre eux, et quelque chose de très passionnel. On sent qu'elle, elle est un peu déstabilisée parce qu'elle sent qu'il danse autrement. Il se met à faire un solo. Il est très aérien. Il saute, il virevolte, il se jette, il fait des grands jetés. Voilà, il est au sommet, je crois, de son art, de sa sensualité. C'est-à-dire, il existe à part entière. Et d'un coup, il se ressaisit. Il lui tend la main. Donc il a quand même ce geste de rédemption, ce geste de « je vais partager avec toi la vedette ». Je sais que moi, j'ai eu, il n'y a pas très longtemps, un très grand moment où on m'a demandé de redevenir une danseuse et une chorégraphe pour Madonna. Et puis, juste avant le lever du rideau, j'avais l'impression que je ne sentais plus mes jambes, je n'avais plus d'énergie, parce que c'était
le moment. Il fallait que je saute dans le vide face à quelqu'un que j'admirais. Mon époux, qui est chorégraphe, m'a dit des mots assez durs, positifs, pour me rebooster. Ce que tu as, c'est de la hargne, une certaine intensité, et c'est d'elle dont j'ai besoin pour que ce ballet marche. Tu crois qu'il suffira de te montrer pour que les producteurs te tombent dans les bras ? Et je me suis ressaisie. Et j'ai donné le meilleur de moi-même, à quel point que Madonna s'est levée, elle est venue vers moi, elle m'a serrée, elle m'a dit des choses dans mon oreille que j'oublierai jamais. J'ai une curiosité et c'est ça qui, quelque part, me sauve. Parfois, je vais dans des choses que vraiment que un peu parfois minables où j'aurais pas dû, mais quelque part, ça me permet après d'aimer encore plus mon art de danser, de chorégraphier les autres, de savoir que vraiment ma place est dans le milieu de la danse. C'est là où je suis le mieux. Tu sais ce que je vais faire ? Tu sais ce que je vais faire ? Tu le sais ? Quoi ? Frimer. I wanna strut. En strut, ça veut dire c'est une démarche, c'est-à-dire de marcher avec arrogance, avec allure. C'est une façon de frimer, c'est une démarche de frime. Où vraiment, on se la raconte. Mais c'est à travers le corps.